Hey, salut tous les amis, c'est Daniel Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vais m'écouter, ça avec son ça va super les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Woodbox. Donc la Woodbox, mais écoutez, de jeuxvideo.com, et donc cette fois-ci mes amis, c'est la Woodbox, la rétro Woodbox. Regardez-moi ce super design, donc vous savez, la Woodbox, une boîte avec plein de surprises intérieures, t-shirts, goodies, etc. Donc mes amis, vous avez un code de réduction David Lafarge pour avoir 5€ de réduction en description. Et donc mes amis, regardez-moi cette belle Woodbox de jeuxvideo.com. Tac, 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 tac. Ça fait plaisir, donc comme tous les mois, je vous l'ouvre. Et donc c'est parti pour la Woodbox, il me semble, du mois de juillet, si je dis pas n'importe quoi. Ok, donc du coup, regardez-moi ça. Donc bien sûr, j'en ai une deuxième pour vous, il faut tout simplement partager, liker cette vidéo et être abonné. Mettre un petit commentaire, ouais, je veux la Woodbox, ouais, machin, machin, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Vous connaissez tout ça. Et donc, c'est parti pour ouvrir ma petite Woodbox, me dire mon avis là-dessus. Donc, let's go. Donc, normalement, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une NES, ou ça ressemble à une NES en tout cas. Donc, dites-moi tous les spécialistes, etc., de rétro en commentaire. Il me semble que c'est une NES. Après, je dis des bêtises. Donc, c'est parti, je me suis pas spoilé évidemment, sinon c'est pas drôle. Let's go. What? Ok, donc du coup, magazine Woodbox numéro 13, rétro. Donc là, c'est spécial rétro. My god, il y a plein de choses à l'intérieur, donc j'ai hâte de voir tout ça. C'est parti, du coup, qu'est-ce qu'on commence? On commence avec quoi? On commence avec le pins de la Woodbox. Ah, de toute façon, vous savez quoi, on le verra à la fin, ça. Ça aussi. Du coup, qu'est-ce que c'est, ça? Super Mario Bros. Collector Edition Ice Cube. Oh, lourd! C'est lourd, regardez-moi ça. What the fuck? Regardez-moi ça, c'est quoi ça? Ah mais... Oh mais non, c'est énorme. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. C'est pour faire des glaçons en forme de d'item de Mario. Vous savez, vous mettez de l'eau, vous mettez dans votre réfrigérateur, et ça vous fera des glaçons en forme d'item de Mario. Du coup, il y a quoi? Il y a le champignon, il y a l'étoile, il y a le cube mystère. Il y a le champignon qui donne une vie. Il y a les Goombas, il y a des pièces. Mais c'est juste... Regardez, c'est un truc de ouf. Mais what the fuck, mon gars, c'est énorme. Oh, c'est... Par contre, ça, je vais m'en servir. Vous savez quoi? Je mettrai des photos sur Twitter. Oh, rien que pour ça, ça vaut le coup. Même le packaging de la boîte est super sympathique. Je vais le remettre dedans. Oh, c'est super sympathique. Oh, c'est super sympa, sans déconner. Ah ouais, lourd. Ah ouais. Oh, c'est stylé, d'accord. Ok, on continue. Oh, il y a plein de choses à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? What you gonna call? Qu'est-ce que c'est? C'est un cadre. C'est un cadre. Dites-moi ce que ça représente en commentaire. Je m'y connais pas, désolé. C'est un espèce de cadre. Donc écoutez, on va le déceler. Je vais vous montrer ça quand même. Viens ici, mon pote. Voilà. Oh, c'est trop stylé. Il y a plein de trucs originaux. Alors, tac, tac, tac. Donc c'est un petit cadre, tout simplement. Magnifique. Donc on peut mettre un petit truc à l'intérieur. Ah non, même pas. Ah non, ça c'est le derrière. On va l'attacher comme ça, genre. Tac, tu vois. Ok, pas mal. Alors dites-moi ce que ça représente, parce que franchement, bah, écoutez, là, je suis peut-être un peu un noob là-dessus, j'y connais pas grand-chose. Mais c'est sympathique d'avoir un petit cadre, d'accord. D'accord, bah écoutez, j'ai hâte d'avoir vos réponses en commentaire. Ok, très bien. Oh, franchement, c'est pas mal tout ça. Mais qu'est-ce que c'est? Mais what the fuck? Mais c'est génial. Batman, build your own Batmobile. 3D puzzle, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Regardez-moi. Ah non, attendez. Je crois qu'on est sur la meilleure Woodbox de tous les temps qu'ils ont inventé. Sincèrement, je suis sincère avec vous. Quand c'est nul, je le dis. Quand c'est mauvais, je le dis. Quand c'est très bien. Et quand c'est excellent, je le dis. Quand c'est moyen, je le dis. Mais alors là, mes amis, je crois qu'on est sur la meilleure Woodbox. Sans vous mentir. Alors voyons voir ce que ça représente, ça. Là, il y a plein de trucs différents. Je vous cache pas, je vous cache pas que là, ils sont en train de tout dégommer. Tac. Viens ici, mon pote. Viens ici. File mes pieds. The Clarks. The Clarks, j'ai dit. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. En fait, c'est une espèce de maquette, quoi. Sauf que c'est un puzzle en 3D. D'accord, j'ai compris. Donc, en fait... Ouais, je pense que vous connaissez tous. Donc, il y a un petit plan à l'intérieur. Et donc, du coup, il faudra détacher les pièces et les assembler entre elles pour faire, écoutez, cette magnifique Batmobile. Donc, derrière, c'est comme ça. Oh, ouais! Oh, ouais! Oh, c'est pas mal! C'est pas mal du tout! C'est pas mal du tout! Est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo là-dessus, d'ailleurs?
Sur ce, tu vois, une petite vidéo bonus, tu vois, j'en sors deux le dimanche et le soir, j'en sors une sur la Batmobile. Écoutez, dites-moi ça en commentaire, ça me ferait super plaisir. Ouais. Là, pour l'instant, c'est validé. Ah, franchement, c'est pas mal. Là, franchement, alors, rien que le design, donc ça, c'est votre box à vous que vous allez gagner. Rien que le design est vraiment super sympathique. Et c'est ce que j'apprécie chez Woodbox, c'est ce que je leur avais aussi dit un petit peu, c'est que vraiment le packaging est super important et là il est toujours spécial, etc. Je trouve ça vraiment génial. Et si Woodbox pouvait continuer comme ça, ça serait vraiment un truc de fou. Voilà. Donc, du coup, à ce qu'il y ait, il reste des choses évidemment. Et on a même le t-shirt. Le t-shirt, vous savez, c'est ce que j'adore chez Woodbox. Ça vient un petit t-shirt, je peux le mettre le soir pour aller en convention, etc. etc. Et donc, regardons ce t-shirt. Donc, bien sûr, le t-shirt, les amis, quand vous commandez ou vous prenez un abonnement chez Woodbox, vous remplissez un formulaire avec votre taille de t-shirt, comme ça vous ne recevez pas un truc XXL pour si vous faites du S ou si un truc S si vous faites du XXL. Voilà. Donc, du coup, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Le t-shirt, j'adore ça. J'adore le petit t-shirt. Lise, dis-moi qu'il est bien. Mais qui galère. Et donc du coup mes amis, comme je disais, voilà, j'avais plus de bâton de ma caméra, je sais pas pourquoi comme d'habitude. Et donc du coup, je le découvrirai en même temps que vous et c'est un magnifique t-shirt Rayman. Rayman, vous savez, moi c'était vraiment un jeu que j'adorais quand j'étais enfant. C'est tous les let's play d'ailleurs que Sifano a fait, j'ai tout suivi dès qu'il sort du Rayman, je focus à fond. Rayman, c'est vraiment un jeu qui m'aura marqué. Après, je trouve qu'ils ont raté... j'ai l'impression qu'ils ont raté quelque chose dans leur progression ces dernières années. Je ne sais pas. J'ai l'impression que Rayman, c'est plus comme avant. J'ai l'impression que Rayman, c'est plus aussi connu qu'avant. J'ai l'impression que c'est plus un leader comme avant. Mais avant, pour moi, Rayman, c'était vraiment un truc de fou, tu vois. Rayman, c'était hyper connu. Maintenant, ça se trouve, je vous dis Rayman, ça se trouve, il y en a qui connaissent pas, tu vois. Ça m'étonnerait même pas. Mais enfin, bref, c'est pas le sujet de la discussion, de la vidéo. Et moi, c'est que mon avis, voilà, c'est pas la vérité du tout. Donc, du coup, voici le petit t-shirt qui fait plaisir. Et ça, franchement, mes amis, c'est énorme. C'est énorme. Donc, du coup. Defender of God cause, everything is possible, your hero, fun loving, est 1995, legendary. Franchement, peut-être l'un des meilleurs t-shirts aussi. Là, mes amis, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire dans cette Woodbox, à part vous dire, bah écoutez, tout simplement, la vérité, je trouve que c'est la meilleure Woodbox. Rien à dire, le t-shirt est juste génial. Donc normalement mes amis vous aurez peut-être la même chose dans Woodbox, on va regarder ça ensemble. Donc bien sûr il y avait encore deux petites choses, c'est même pas fini. Du coup là il y a, alors ça je pense que c'est un truc à mettre sur ses vêtements, un truc Jurassic Park. Attendez, non, Safari Park, c'est un drac au feu. C'est un drac au feu, j'avais même pas vu, c'est un drac au feu. Mais oh my god, la meilleure Woodbox, c'est bon, l'élu, la meilleure Woodbox. What the fuck mon gars. Mais what the fuck, c'est un drac au feu. C'est un drac au feu. Oh, c'est énorme. Mais c'est énorme. D'accord. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Et donc, du coup... Ah, franchement, ça m'a reboosté, là. Là, ça m'a reboosté, mon gars. Et donc, du coup, on a... Oh là, même le pins de la Woodbox. C'est un truc de Dragon Ball. Oh là là, c'est abusé. Non, c'est bon. C'est bon. Meilleure Woodbox, mes amis. Meilleure Woodbox, y'a rien à dire. J'applaudis, franchement j'applaudis, là c'est énorme. Du coup je vous propose qu'on voit, qu'on regarde le magazine ensemble. Donc du coup magazine etc etc, pas mal du tout d'ailleurs avec la petite manette. Donc je crois que c'est une NES, hein. J'ai pas envie de dire de bêtises mais bon c'est pas grave. Ouais les Wooters etc, est-ce que je connais quelqu'un sur la photo? Non. Ok, alors... du coup, oui, à chaque fois, tous les mois, si vous vous abonnez, vous pouvez recevoir la méga Woodbox d'une valeur de plus de 2000, 2500, 3000 euros. Et ce mois-ci, c'est une valeur de 2500 euros. Et c'est une arcade. C'est une arcade, tout simplement, une grosse arcade, une vraie bande d'arcade que vous pouvez recevoir à la place de la box. Une valeur de 2500 euros, c'est assez énorme. Du coup, on va pas s'attarder là-dessus, on va passer directement à la suite. Donc, du coup, la Batmobile. Donc, la Batmobile, c'est la petite voiture là. Alors ça c'est quoi? Toile exclusive Woodbox. Décorez votre maison dans une ambiance rétro grâce à cette toile dessinée en exclusivité pour les Wooters par l'artiste Vincent Rocher. Plus besoin d'appeler les chasseurs de fantômes, ils seront en permanence chez vous pour protéger des dangers surnaturels. Valeur 10 euros. Donc oui, vous payez la Woodbox 20 euros, moins 5 euros avec mon code de réduction. Et on a déjà des items à l'intérieur de valeur 10 euros. 10 euros. Donc normalement, quand vous achetez une box, c'est pour faire une grosse réduction. Et là, vous l'avez mes amis. Et ça fait plaisir. Donc du coup, là, moule à glaçons Super Mario. Ça, c'est énorme.
Valeur 9 euros, on est déjà à 29 euros de box, ça vaut le coup. Et là, rien de prévu que vos vacances d'été. Que diriez-vous d'un petit safari sympathique à la découverte d'une faune plutôt originale? Accrochez votre écusson à coudre et en route vers de nouvelles aventures dinosauresques. Sauf que ça c'est un drac au feu, on me la fait pas à moi ça. Et donc du coup, valeur 3 euros. Et donc du coup, le t-shirt Rayman officiel, il est juste énorme. Replongez-vous dans le jeu mythique de votre enfance grâce à ces t-shirts Rayman vintage officiels réédités exclusivement par Ubisoft. Pour tous les voteurs, en attendant vos photos sur les réseaux sociaux, valeur 20 euros. Pour vous dire, cette box dégomme tout. C'est pour ça que je vous disais qu'elle dégomme tout. Après avoir vu les prix, on en a pour quasiment 50 euros d'objets à l'intérieur, même plus de 50 euros d'objets. C'est pour ça qu'elle est géniale. Je ne sais pas si ça sera comme ça tous les mois, mais là, mes amis, je suis charmé. Et rien que ça mange, il est glaçon. Et tu sais quoi? Mais je vais essayer là tout à l'heure, je vais mettre de l'eau, je mettrai des photos ce soir sur Twitter. Ok, et donc du coup, comme d'habitude, tous les mois, on a un indice pour la prochaine Woodbox. Donc du coup, c'est celui-ci. Mettez vos pronostics en commentaire. Moi, je pourrais. Oh, j'ai envie de faire une blague, mais je peux pas la faire en vidéo. C'est dommage. Ah, oh, ça me tente. Ah, je peux pas. Ok. cet indice-là, peut-être Hitman qui est chauve, je sais pas. Calvitie, j'en sais rien. Maladie, j'en sais rien. Non, ça va pas être maladie, mais. Donc je ne sais pas. Dites-moi vos théories en commentaire. Ok mes amis, bah écoutez, c'était une woodbox géniale. Donc on a la Batmobile en 3D, nous avons les glaçons en forme d'item Super Mario, nous avons le t-shirt Rayman. Donc ça, bah écoutez, c'est que du bueno, hein. Que du bueno, tac tac tac, le t-shirt Rayman. La petite toile sympathique de décoration, donc ça je sais pas si je vais la mettre. Écoutez, je sais pas. Je ne sais pas, mes amis. Et la Bay Woodbox, il peut toujours servir de boîte de rangement. Moi, d'ailleurs, je sers à mettre mes cartes Pokémon à l'intérieur. Donc, du coup, mes amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de partager, liker, commenter et bien sûr de vous abonner. Bah, écoutez, parce que c'est que pour mes abonnés, évidemment, de gagner cette magnifique Woodbox. Donc, elle n'a pas été ouverte. Hein. Regardez, elle est parfaitement scellée. Voilà. Bah, écoutez, mes amis, là-dessus, bah, je vous dis à très bientôt. Plein de bisous à vous. Bye bye!